Okay. S'il te plaît, une fois de plus, prie pour que le miroir dans lequel nous allons regarder la vie du frère Zach. Once again, pray that the mirror through which we're going to be looking at the life of Brother Zach te serve à t'examiner will help you examine yourself et te permette de changer. And permit you to change. Prie pour toi-même. Est-ce qu'une personne peut insister pour nous tous? Gloire à Dieu. Nous passons tout de suite à l'anecdote suivante. Right away, we are getting to the next extract. Les mains pleines d'ampoules. Hands full of blisters. Le jour où on donnait les congés, je portais ma valise et rentrais immédiatement à pied chez mes parents à Anguier. When we were given holidays, I took my box and walked straight to my parents in Anguier. Je quittais Anguier pour rentrer tout droit à l'école à la fin des vacances. I always left from Anguier straight back to school after the holidays. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, for those who are not yet aware, nous lisons des anecdotes de la vie du frère Zach. We're reading through extracts from the life of Brother Zach. Des choses qu'il a dites sur lui-même. The things he said about his own self. Et qui nous permettent aujourd'hui de savoir d'où il est venu, qui il a été, et d'expliquer aussi ce qu'il est devenu. And which permits us today to know who he was, where he came from and who he became. C'était des histoires recueillies ici et là pendant qu'il rendait ministère à différentes occasions et même à des rencontres informelles. These extracts taken down from notes based on what he shared during different encounters, both formal and informal. Donc, so, pour le connaître, nous l'écoutons simplement nous parler. So in order to know him, we are just listening to him talk. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, il nous raconte comment à la fin des congés, il portait sa valise sur la tête et allait immédiatement dans ce village où se trouvaient ses parents. So here he tells us how at the end of the school term, he used to carry his box on his head and go back straight home to his parents in the village. Je passais mes vacances à travailler au champ. I used to spend my holidays working in the farm. Je n'allais jamais au marché. I never went to the market. Je rentrais toujours à Bali ayant les mains pleines d'ampoules. I always went back to Bali with my hands full of blisters. Je coupais pour ma mère du bois de chauffage en quantité suffisante et durable jusqu'aux prochaines vacances, dans le but qu'il ne lui manque point de bois de chauffage en mon absence. I would get enough firewood for my mother to last until I went back home for the next holiday, so that she would not lack firewood in my absence. Un collégien. Secondary school. Oh, thank you. A college boy. Qui pendant les vacances
who during holidays approvisionne sa mère en bois de chauffage, made provision for his mother as far as firewood was concerned, de manière à ce qu'il ne lui en manque pas jusqu'à ce qu'il soit revenu du prochain trimestre. In such a way that she would not lack firewood until his next school term was over. Ses mains en témoignaient. His hands could testify. Les ampoules partout. Blisters all over. Gloire à Dieu. Amen. Comme nous avons dit depuis le début, like we said since the beginning, tu prends ton stylo, you take your pen, tu notes ce qui te marque, you take down notes on that which touches you, ce qui devrait te pousser à la repentance, that which will push you to repentance, pour que tu te repentes, for you to repent, et pour ce qui te stimule, qui te défie, que tu voudrais imiter. And for that which stimulates you, that which is like a defeat, so that you'll be motivated. That which is like a challenge, so that you are motivated. Gloire à Dieu. Amen. Donc on ne va pas s'arrêter tout le temps. So we're not going to stop every time. Note. Take down et notes. Et puis le moment venu, tu pourras prier. And when the time comes, you'll be able to pray. Je me levais chaque matin à 3h30 pour chauffer de l'eau pour le bain matinal de mon père. I woke up at 3:30 a.m. every morning to heat water for my father to bathe. 3:30 a.m. chaque matin. Every morning. Pour chauffer de l'eau. To heat water. Pour le bain de papa. So that his father could take his bath. Pas au gaz. Not on the gas. Ni au chauffe-eau. Or through the electric kettle, mais au bois. But on the fireside. Gloire à Dieu. Amen. À l'âge de 11 ou 12 ans, une autre anecdote. Another extract. When I was 11 or 12 years old, nous avions formé une association au village. We formed an association in the village. Il y avait un jour appelé jour des jeux sportifs. There was a day called Empire Day for sports. La place des cérémonies se trouvait à 18 km. The place for the official ceremony was 18 kilometers away. Il nous fallait évidemment nous y rendre à pied. We spent one day to go on foot. Il n'y avait pas de voiture de transport à cette époque. They had no cars to transport them at that time. Le voyage durait un jour à l'aller, suivi d'un jour de repos. Et il y avait ensuite 3 jours de jeux sportifs et 1 jour était réservé pour le voyage retour. We spent one day to go, one day to rest, 3 days for sports and one day to go back home. Mon père m'avait donné 6 pence pour les 6 jours et il avait donné 1 shilling pour ma sœur aînée. My father gave me 6 pence for the 6 days and he gave 1 shilling to my elder sister. Venant de background presbytérien, j'avais une marraine spirituelle. Coming from a Presbyterian background, I had a godmother. Elle habitait à 5 km du lieu des jeux sportifs. She lived 5 kilometers away from the sports ground. J'y suis allé séjourner et elle me servait le petit-déjeuner ainsi que le repas du soir. I went to stay with her and she gave me breakfast and supper in the evening. Je me rendais au lieu des cérémonies dès 6 heures du matin. At 6 in the morning, I went to the ceremonial grounds. Évidemment, on y vendait des cacahuètes et plusieurs autres choses à déguster. Of course, groundnuts and many other good things were being sold. Après les 6 jours, je suis rentré et j'ai remis les 6 pence à mon père. After 6 days, I gave back the 6 pence to my father. Il m'a demandé pourquoi je ne les avais pas utilisés. He asked why I hadn't used it. Je lui ai dit qu'étant donné qu'on me servait le petit déjeuner et le repas du soir chez ma marraine, je n'avais pas jugé nécessaire de gaspiller cet argent. I said I had breakfast and supper at my godmother's and did not see why I should waste the money. Mon père m'a dit, ah bon, tu m'aimes tant au point de ne pas vouloir gaspiller mon argent. À partir de ce jour, je fais de toi mon ami. My father said, you love me so much that you would not waste my money. From this day, I make you my friend. Ainsi donc, à l'âge de 11 ans,
je suis devenu l'ami de mon père. So when I was 11 years old, I became my father's friend. Ce fut le plus grand événement de ma vie. That was the biggest event in my life. Cela m'a changé à tous égards. It changed me in everything. Et depuis ce jour-là, il me considérait comme son égal et partageait toutes choses avec moi. From that day, he took me as an equal and shared everything with me. Vous avez bien entendu. You've listened well, right? Un petit garçon de 11 ans, on donne de l'argent de poche pour les jeux sportifs. A small boy, 11 years old, he received money for his sports games. Son argent de poche. His pocket money. Pour boire du jus, to buy s'acheter juice, des bonbons, buy sweets, du caramel, caramel, et je ne sais pas quoi. And whatever. Une portion pour chaque jour. A portion for each day. Et qui revient 6 jours plus tard. And he comes back 6 days after. N'ayant rien dépensé. Without having spent anything. Pour remettre la totalité de cet argent à son père. To give the total amount of this money to his father. Étonné, il lui demande, pourquoi tu n'as pas utilisé? His father is surprised and asks, why didn't you use the money? Il lui explique que, étant donné qu'on lui donnait à manger le matin et le soir, il n'a pas jugé nécessaire de gaspiller cet argent. He explained that since he received breakfast and supper every day, he didn't see the need to waste this money. C'est ainsi que son père, ému, fait de lui son ami. And that is how his father, so impressed, made of him his friend. Et toi? And you? Quelle est ta relation avec ton père? What is your relationship with your father? Comment est-ce que tu utilises ce qui t'est donné pour toi-même? How do you use that which is given for yourself? Est-ce que tu as jamais pensé à revenir lui donner quelque chose qui t'appartenait? Have you ever thought of coming back to give him that thing that belongs to you? À lui faire un cadeau? To make a gift to him? Ou alors ce qui est ton argent de poche, c'est bel et bien pour ta poche? Or that which is your pocket money is only for your pocket. Et peut-être que tu en demandes davantage. And maybe you even ask for more. Gloire à Dieu. Amen. Une autre anecdote. Another extract. Je vous assure. I assure you. Ce petit garçon était exceptionnel. This small boy was an exceptional boy. Écoutons-le. Listen to him. J'ai vendu des cacahuètes pour ma mère de 6 à 14 ans. I sold granules for my mother from the age of 6 to the age of 14. Dieu m'est témoin. Je n'avais jamais mangé un seul grain pendant que je vendais. God is my witness. I did not eat one grain when I went out to sell. Évidemment, je n'en mangeais aucun en vendant. Evidently, I ate none when I was selling. Je n'étais même pas tentée d'en manger. I wasn't even tempted to eat. Elles étaient faites pour être vendues et non pour être consommées. They were meant for selling and not for eating. Nous avions suffisamment à manger à la maison. We had enough to eat at home. 6 ans. 6 years old. Un plateau de cacahuètes sur la tête. A tray of granules on his head. Tu vends toute l'année. You sell the whole year. Pas un seul grain dans ta bouche. No grain in your mouth. 7 ans. For 7 years. Pareil. 8 ans. 9 ans. 10 ans. 9 years old. Jusqu'à 14 ans. Until he was 14. Même pas tenté. Not even tempted. En regardant les choses en rétrospective. J'ai connu une vie de fidélité en matière financière. So when I look back, it has been a life of faithfulness in financial matters. Ma promotion est donc fondée sur ma fidélité du passé. So my promotion is rooted in my faithfulness in the past. Donc ce qu'il est devenu par la suite, so that which he became later on, dans la vie, in life, dans le Seigneur, in the Lord, dans son service, in his service, avait ses racines dans cette intégrité inhabituelle.
had its root in this unusual integrity. Du petit garçon qu'il était, of the small boy he was, dans les questions financières, in financial matters. Nous allons marquer une pause. We're going to pause here. Si tu veux remercier le Seigneur, if you want to thank the Lord, pour une chose que tu as entendue, for something you've just heard, dont tu ne reviens pas, that you cannot even imagine, lève-toi, nous allons remercier le Seigneur. Stand up, we are going to thank the Lord. Remercions le Seigneur pour cet aspect du caractère du frère Zach, tout petit. Let's thank the Lord for this aspect of Brother Zach's character when he was very small. Qui nous émerveille. Which marvels us. Remercions le Seigneur pour qui il a été à cet âge-là. Let's thank the Lord for who he was at that tender age. Pour les idées qu'il avait. For the ideas he had. Pour les dispositions qu'il avait. For the dispositions he had vis-à-vis de son père. Towards his father. Remercions le Seigneur. Let's thank the Lord. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Please be seated. Si tu veux prier pour te repentir, if you want to repent, d'une chose ou d'une autre, for one thing or another, lève-toi, stand up, et prie le Seigneur, and pray unto the Lord. Priez tous ensemble. Pray together. Assieds-toi, s'il te plaît. Please be seated. Quand j'avais 13 ans, ma sœur aînée venait d'accoucher et ma mère était allée au village pour l'assister. When I was 13 years old, my elder sister had given birth and my mother had gone to the village to assist her. J'ai dû faire la cuisine pour mon père pendant un mois. I had to cook for my father for a period of 1 month. Mon père avait des goûts raffinés. My father had refined taste. J'allais en brousse tendre les pièges pour attraper le gibier et le cuisiner pour mon père. I went to the bush and set traps to get game to cook for my father. Le demi-kilogramme de viande de bœuf coûtait 50 francs à l'époque. Half a kilo of meat was bought for 50 francs back then. Et le marché avait lieu une fois la semaine. And the market held once a week. Notre maison était le foyer d'un grand pasteur ayant des églises dans 80 localités. Ours was the house of a big pastor with churches in 80 localities. 13 ans. At the age of 13. Maman absente. Mom was absent. Il fait la cuisine. He cooked. Il tend les pièges. He set traps. Il attrape du gibier. To catch bush meat. Il vient préparer pour papa. And prepare for his father. Pendant un mois. For a period of 1 month. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord.
une autre anecdote. Another extract. Quand ma sœur aînée s'était mariée à l'âge de 16 ans, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de différence à la maison parce que une fille avait quitté la maison. When my elder sister got married at the age of 16, I said there would be no difference because a girl had left the house. Je me suis mise à faire toutes les tâches qu'elle faisait. I did everything she used to do. Piler le tarot, pounding achu, fabriquer le tapioca, making gari, etc. etc. Je faisais tout de façon que ma mère ne ressente pas l'absence d'une fille à la maison. I did everything so my mother did not miss the presence of a girl at home. Il a embrassé toutes les tâches domestiques qui revenaient à sa sœur. He carried out all the domestic activities his sister used to do. Pour que sa mère ne ressente pas l'absence d'une fille à la maison. So that their mother didn't feel the absence of a girl child. De lui-même, on lui a pas dit bon, Zach, désormais, c'est toi qui vas faire ci et ça. It was his own initiative. No one told him, Zach, henceforth, you're the one in charge of this. Le Seigneur Jésus a passé 18 années à servir ses parents. The Lord Jesus spent 18 years serving his parents. L'attitude d'un enfant envers ses parents est une prophétie de la vie. The attitude of a child towards his parents is a prophecy of his life. Et puis il revient sur les beignets qu'il vendait, ainsi de suite. And then he comes back to the Accra. He used Parce que to c'était un autre so moment, à, dans une, dans d'autres circonstances. Because he was expressing this in another situation. J'ai commencé à vendre les beignets de manioc pour ma mère à l'âge de 6 ans. I began to sell Accra for my mother at the age of 6. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Up to the age of 14, quand je suis allé au secondaire, when I went to secondary school, je n'avais jamais mangé un seul beignet que je devais vendre. I never ate one akra which I had to sell. Et je n'avais jamais mangé un seul grain d'arachide que je devais vendre. I never ate one grain of groundnut that I had to sell. Gloire à Dieu. Amen. Je suis allé à CPC, Cameroon Protestant College. Et après un trimestre, on m'a donné une bourse scolaire. I went to CPC, Cameroon Protestant College, and after one term, a scholarship was given to me. C'est-à-dire que on lui avait remboursé l'argent que son père avait d'avance payé. That is his money, the money the father paid as school fees was given back to him. L'argent qu'on m'a remboursé. On avait remboursé tout l'argent que papa avait payé. Cet argent, je l'ai retourné à mon père jusqu'au dernier franc. The money that was returned to me, because they returned all the money papa had paid, I took it back to my father to the last franc. Certains garçons qui avaient des bourses scolaires comme moi ont commencé à utiliser l'argent qui leur avait été remboursé pour s'acheter des choses pour eux-mêmes. Some boys who had scholarships like me started using the money to buy things for themselves. Je n'arrivais pas à comprendre cela. I could not understand. Comment pouvaient-ils se mettre à utiliser cet argent? How could they be using this money? Et puis il pose la question. And then he asks this question. Est-ce un démon qui a supervisé ta naissance? Did a demon supervise your birth? C'est comme si certaines personnes leur naissance a été supervisée par un démon. It is as if some people, their birth was supervised by a demon. Et d'autres aussi. And others. C'est comme si leur naissance a été supervisée par un ange. It was as if their birth had been supervised by an angel. Qu'en est-il de toi? What about you? Une autre anecdote. Another extract. Je ne serai jamais assez reconnaissant à mon père. I will never be grateful enough to my father. Il y a eu un temps où il m'a dit, tu vas dormir sur une natte pendant tout ce mois, car tu pourrais en avoir besoin plus tard dans la vie. There was a time he told me, you will sleep on the mat the whole of this month
because you may need it later on in life. Il y avait pourtant plusieurs lits à la maison. Yet there were countless beds at home. Il n'avait jamais soumis ses autres enfants à la même discipline. He never subjected the other children to the same discipline. Il avait des yeux prophétiques. He had prophetic eyes. Son père avait vu. His father had seen que cet enfant était différent des autres. That this child was different et from qu'il irait others, loin. And that he would go far. Et il l'a soumis à une discipline plus grande and qu'aux autres. He subjected him to a discipline greater than the others. Toi, l'enfant que tu aimes le plus, est-ce celui que tu soumets à la discipline le plus? And you, the child you love the most, do you subject him to more harder discipline? Ou bien pour toi, aimer, c'est gâter. Or for you, loving the child means spoiling him. Laissez l'enfant faire ce qu'il veut. Allowing the child to do what he wants. Ne jamais le corriger. Never correcting him. Etc. Exactly. Puisses-tu avoir des yeux prophétiques? May you have prophetic eyes. Qui es-tu en train de former dans une discipline rigoureuse? Whom are you disciplining in a harsh discipline? Sur qui portes-tu plus de correction à cause de son grand potentiel? Whom are you most critical of because of the great potential he has? Ceux qui ont un avenir prometteur, il leur est permis de passer aussi par des flammes plus brûlantes. Some people around me have played the fool. Sorry. Those with the greatest future are allowed to go through the fiercest fires. Gloire à Dieu. Amen. Mon père m'aimait le plus et il m'a traité de la façon la plus rude. My father loved me the most and treated me the most harshly. Il veillait sur moi avec un œil jaloux. He watched over me with a jealous eye. Il veillait sur moi avec un œil jaloux. He watched over me with a jealous eye. Une autre anecdote. Another extract. Nous sommes partis de Wunnenberg quand j'avais 5 ans. We left Wunnenberg when I was 5 years old. Et j'avais là-bas un ami du nom de Moussi. I had a friend there called Moussi. Je l'ai vu la dernière fois en 1951. I last saw him in 1951. Quand j'ai terminé mes études de licence à l'université, je l'ai invité et il est venu. When I graduated from the university, I invited him and he came. Mais il était si misérable, si pauvre. But he was so wretched and poor. Je lui ai donné la moitié de l'argent que j'avais. Et j'ai demandé à ma mère de lui faire un repas très spécial. Et un coq fut cuisiné pour Moussi. I gave him half of the money I had, and I got my mother to cook a very special dish for him. A coq was cooked for Moussi. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Qui n'a Are pas you compris? Following that which is happening? Who hasn't heard? Tu as un ami au village. You have a friend in the village. Et tu réussis dans tes études. You succeed in your studies. Tu vas à l'université. You go to the university. Tu achèves ta licence. You achieve your bachelor's. Et ton ami est resté au village. And your friend remained in the village. Quand tu reviens, when you come back, tu le trouves dans un état de misère. You see him in a miserable situation. Pauvreté. With poverty. Tu ne prends pas les airs de licencié pour lui expliquer que you're à l'université by your degree as a degree holder to explain to him that in the university tu reviens à son niveau. You come to his level. Tu prends l'argent que tu as, tu le divises en deux. You take the money you have and you divide it into two. Tu lui donnes la moitié. You give him half of it. Tu ne commences pas à acheter des choses pour qu'il voit à quel point tu es devenu riche. You do not start buying things so he can see to what level you've become rich. Tu partages ce que tu as avec lui. You share what you have with him.
Et puis tu demandes à ta mère de lui faire un plat spécial. And then you ask your mom to prepare him a special dish. Et on prépare du poulet. Vous savez, à cette époque, le poulet. And you know, in those days, chicken. Chicken was made for him. Ce n'était pas les congelés qu'on attrape partout là. It was not the frozen chicken we see everywhere. Quand on te faisait du poulet au village, when you were made chicken in the village, c'était beaucoup de respect. It was out of great respect. On a fait du poulet pour Moussi. They made chicken for Moussi. Ça, c'est des anecdotes. Il y en a quatre. There are about four extras. Sur les relations qu'il avait commencé à bâtir dès son jeune âge. On the relationships he started building at his tender age. En dehors de son père. Aside his father. Ça, c'est le cas de Moussi. This is the case of Moussi. Un autre. Another. Another person. Godfrey aussi, Mensa est la personne qui a rendu la Bible vivante pour moi en 1966. Gottfried Osimensa is the one who made the Bible alive to me in 1966. J'ai cherché et retrouvé ses traces et je viens juste d'être en contact avec lui. Ça, il le dit en 21 août 2003. I have looked for him and traced him and have just been in contact with him. This is said on the 21st of August 2003. Je suis en train de lui envoyer mon Galates 6:6. I am sending him my Galatians 6:6. Quand j'étais troublé pendant ma première année à l'université au sujet des théories de l'évolution et que je commençais à me demander si la Bible était vraie, c'est lui qui m'avait aidé. When I was troubled in my first year at university on the theories of evolution and was beginning to wonder whether the Bible was true, he is the one who helped me. Le professeur Landau est présentement sur ma table pour une réponse urgente. Professor Landau's letter is on my table right now for urgent reply. On était en 2003. This was in 2003. Le professeur Landau a achevé de superviser ma thèse en 1973. Professor Landau finished supervising my thesis in 1973. J'ai fait le déplacement jusqu'à Exeter pour aller le voir. I traveled right to Exeter to visit him. C'est ainsi que je suis entré dans le système bancaire britannique. That is how I entered into the British banking system. Mais ce qui est intéressant ici, but this is what is interesting here, c'est que son professeur, is that his professor, avait achevé de superviser sa thèse en 1973. Finished supervising his thesis in 1973. Et en 2003, il est en train de dire qu'il est allé lui rendre visite en Angleterre. And in 2003, he's saying that he went to the United Kingdom to visit him. Il n'était pas juste passé, bon, il avait obtenu sa thèse et puis il travaillait déjà, lui-même supervisait déjà aussi des thèses. On pouvait oublier celui-là. He didn't just consider the fact that he had had his thesis achieved and he was working already. He could let it go and pass it by. Il est allé jusqu'en Grande-Bretagne pour lui rendre visite. He traveled right to Great Britain to visit him. Entre 1973 et 2003, il s'était écoulé combien d'années? From 1973 to 2003, how many years was that? Combien? How many? Combien? 30 ans. 30 years. Il ne l'avait pas oublié. He had not forgotten him. Il ne l'avait pas oublié. He had not forgotten him. Il y a des gens qui laissent facilement tomber les autres. People throw people away so easily.
personne ne compte réellement pour eux. Nobody really matters for them. On devrait se repentir d'une pareille attitude. Such an attitude is to be repented of. Les gens qui actuellement ne sont pas loyaux ne l'ont jamais été. The people who are not loyal were never loyal. L'incapacité de bâtir des gens est une triste pénurie en certaines personnes. The incapacity to build relationships is a sad lack in some people. Il serait bon de se demander, ai-je eu des relations durables dans le monde? It would be good to ask, did I have any lasting friendships in the world? Ai-je eu des relations solides dans le monde? Did I have any solid relationships in the world? Réponds à la question pour toi-même. Answer this question yourself. Réponds à la question. Answer the question. Tu as une minute pour le faire. You have 1 minute to do so. Est-ce que tu es de ceux qui balancent facilement les gens? Are you among those who just abandon people so easily? Ton superviseur n'est important que jusqu'à ce que tu aies obtenu ta thèse. Your supervisor is only important until you get your thesis done. Après ça, tu continues ta vie. After that, you continue with your life. Personne ne compte vraiment pour toi. Nobody really matters to you. Tu devrais t'en repentir. You must repent. Le frère Zach avait avec son père une telle relation. Nous allons lire une anecdote là-dessus. Brother Zach had a relationship with his father. We're going to read an extract with regards to this. Mon père avait l'habitude de mettre dans ses lettres quand il m'écrivait Zeti chérie. Il appelait chérie. My father used to write in the letters to me, Darling ZTF. Mes camarades de classe disaient alors, nous voulons connaître cette fille qui t'écrit ces lettres. So my classmates said, we must know this girl who is writing to you. Pour eux, il fallait juste que ce soit une fille. For them, only a girl could write such. À l'âge de 28 ans, je revins au pays étant déjà un enseignant d'université à Makerere. When I was 28 years old, I came back home already a lecturer in Makerere. J'avais passé 7 ans à l'étranger. I had spent 7 years abroad. Dieu décida de rappeler mon père à lui pendant que j'étais revenu au pays. God decided to call back my father home when I came back to the country. Il rendit l'âme en ma présence. He gave up his breath in my presence. Ma mère aussi, lorsqu'elle était tombée malade, vint à Yaoundé pour se faire soigner à l'hôpital. My mother also, having come to Yaoundé ill, was in the hospital. Elle mourut aussi dans mes bras. She also died in my hands. Je ne considère pas ces événements comme des coïncidences. I do not consider these as coincidences. C'était une confirmation du fils que j'avais été pour mes parents. It was a confirmation of the kind of child I had been to my parents. L'attitude d'un enfant envers ses parents est une prophétie. A child's attitude to his parents is a prophecy. Si j'avais le privilège que mon père et ma mère soient encore vivants, if I had the privilege of having my father and mother alive, si ton père est encore vivant, lève-toi. If your father is still alive, please stand up. Si ta mère est aussi vivante, lève-toi. If your mother is also alive, stand up. Si j'avais le privilège, c'est un privilège, d'avoir son père ou sa mère encore en vie. It is a great privilege to have your father and mother alive. Si j'avais le privilège que mon père et ma mère soient encore vivants,
Je chercherai juste à connaître leurs souhaits et je les exécuterai. If I had the privilege of having my mother and father alive, I would just seek to know their wishes and execute them. Je chercherai juste à connaître leurs souhaits. I would just seek to know their wishes. Et je les exécuterai. And execute them. Ce serait là le chemin de la grande bénédiction. That would be the pathway to utter blessing. Il n'attendrait pas de recevoir les ordres. He wouldn't wait to receive others. Il chercherait à découvrir leurs souhaits. Souhait, c'est ce que tu n'as même pas émis, n'est-ce pas? He would seek to know their wishes. A wish is that which you've not even expressed. C'est comme s'ils creuseraient dans leur volonté, dans leur désir. Qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire? It's as if he went seeking right to their will, their wishes to know what can I do to make them happy, to please them. Et il exécuterait cela. And he executed that. Pour leur plaire. In order to please them. Et ce serait le chemin de la bénédiction. And that would be the pathway to utter blessing. Maintenant, prie pour toi-même, toi qui es debout. Now pray for yourself, you standing up. Pour que tu ne passes pas à côté de cette bénédiction qui est encore à ta portée. That you not pass by this great blessing which can come to you. Qui est encore à ta portée, which is still within reach. Okay, thank you. Which is still within reach. Prie s'il te plaît. Please pray. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Please be seated. Quand mon père revenait à la maison après une tournée pastorale, ma mère apprêtait trois types de nourriture, car elle ne savait pas quel serait son goût au moment de son arrivée. When my father came home from a pastoral tour, my mother made three different types of food because she did not know where his appetite would be at the moment of his arrival. Vous voyez une femme, you see a woman, anxieuse de plaire à son époux, anxious to please her husband. Quand mon père revenait à la maison après une tournée pastorale, ma mère apprêtait trois types de nourriture car elle ne savait pas quel serait son goût au moment de son arrivée. When my father came back home from a pastoral tour, my mother made three different types of food because she did not know where his appetite would be at the moment of his arrival. Elle ne voulait pas prendre le risque d'apprêter quelque chose qui ne lui donnerait pas satisfaction. She could not take the risk of doing something that would not satisfy him. Donc elle apprêtait ceci. So she prepared this. Et puis elle se disait, au cas où il va pas aimer ça, il faut qu'il y ait ça. And then she said, oh, if he wouldn't love this one, I think I should also do this one. Et puis one. Encore, elle se disait, et s'il n'aimait pas ça, il faut qu'il y ait aussi ça. And then she also said, what if he doesn't like this one? I think I should also do this one. Trois différents plats. Three different meals. Pour s'assurer de ne pas manquer de le satisfaire à son arrivée. To make sure that her husband was not unsatisfied when he came back. J'espère que tu n'es pas le genre qui jette la nourriture. S'il a faim, il va manger. S'il ne mange pas, c'est qu'il n'a pas faim. I hope you're not the type who drops food. If he's hungry, he will have this food. If he doesn't want to eat, it's fine. Elle ponçait les chaises en bois et les polissait avec de l'huile. She scrubbed the wooden chairs and polished them with oil. Ça, c'était pour accueillir son époux de ses tournée pastorale. This was to welcome her husband from his pastoral tours. Elle ponçait les chaises en bois
et elle les polissait avec de l'huile. She scrubbed the wooden chairs and polished them with oil. Elle nous faisait ensuite aligner des branches de palme le long de la route. Then she made us line up palm branches from the road. Des deux côtés. On both sides of the road. Des deux côtés de la route principale. On both sides of the main road. Jusqu'à la maison. Until the house. Pour dire bienvenue au roi. To say welcome to the king. Tout cela était fait juste dans le but de plaire. All of this was done with the main objective to please. Dans le but de plaire. With the objective to C'était please. Pour communiquer un message. It was to communicate a message. Si l'élément plaire, le désir de plaire, fait défaut dans ta relation avec l'homme, if the element of pleasing is not there in your relationship with man, il en sera de même dans ta relation avec Dieu. It will not be there in your relationship with God. Si l'élément plaire, le désir de plaire, fait défaut dans ta relation avec l'homme, if the element of the desire to please is not in your relationship with man, il en sera de même dans ta relation avec Dieu. It will not also be there in your relationship with God. Quand on veut plaire, on devient très créatif. When we want to please, we become very creative. On imagine, on fait des choses. We do things parce qu'on veut plaire. Because we want to please. Peut-être que ça ne te dit rien d'avoir une relation avec quelqu'un à qui tu peux plaire. Maybe it means nothing to you having a relationship with someone you can please. Mais fais attention. Be careful. Si cela fait défaut dans ta relation avec l'homme, il en sera de même dans ta relation avec Dieu. If this aspect is not present in your relationship with man, it will be the same, still absent even in your relationship with God. Tu auras le même cœur. You have the same heart. Le désir qui veut plaire à l'homme voudra plaire à Dieu. The desire that le, we want le cœur qui veut plaire à l'homme okay. désirera plaire à Dieu. The heart that wants to please man will desire to please God. Okay, les jeunes, si tu es marié, if you're married, et tu es de sexe masculin, and you're you're a man, lève-toi s'il te plaît. Please stand up. Si tu voudrais, si tu aimerais avoir, si tu aurais souhaité avoir une femme comme celle-ci. If you would have loved to have a wife like this one. Tu voyages. You travel. Elle prépare ceci, elle prépare she cela. She prepares this one, prepares that one. Elle pose les chaises. She scrubs the chairs. Elle apprête les enfants. She prepares the children. Elle aligne les palmes sur la route. She lines up palm branches to the road. Pour accueillir le roi que tu es. To welcome the king that you are. Est-ce qu'on peut avoir du calme, s'il vous plaît? Please, can we be quiet? Prie. Pray. Prie pour ton épouse. Pray for your wife. Prie pour elle. Pray for her. Prie. Pray. Priez tous ensemble. Pray together. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, prie pour toi-même. Now pray for your own self. Pour que tu aies ce cœur qui désire plaire à Dieu. Pray that you have this heart that will desire to please God. À Dieu. To please God. Pourquoi devrait-on faire des choses de ce genre pour toi si vis-à-vis de Dieu, toi aussi, tu ne te soucies pas de plaire?
Do you think such things will be done to please you if you do not have the same character in order to please God? Prie pour que tu sois quelqu'un qui désire plaire à Dieu. Pray that you be the kind of person who desires to please God. Qui fait tout ce que Dieu a déjà dit. Who does everything God expects him to do. Et qui va au-delà pour chercher ce qui peut plaire à Dieu. And who goes above that to ce look for that faire, which, can, that which lui, he can do. Pour lui être agréable, pour lui faire plaisir. To God, to please him. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Et prie pour toi-même. Pray for yourself. Gloire à Dieu. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Remain standing, please. Et prions cette fois. Now this time, let's pray. Pour que le Seigneur suscite ce genre d'attitude vis-à-vis des jeunes sœurs qui désirent se marier. That the Lord will raise such an attitude in the hearts of the sisters who desire to marry. Prions tous ensemble. Let's pray together. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Please be seated. Maintenant, prie pour d'autres choses, les autres choses relatives aux anecdotes précédentes. Now pray for other things with respect to the other extracts we covered. Que tu n'avais pas encore traité. Which you hadn't handled yet. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que trois personnes peuvent s'aligner là, trois, rien que trois, et trois autres de ce côté pour prier? Three people to come forward and line up this side, and three other people to line up this side to pray. Priez, s'il vous plaît. Pray. Seigneur éternel, je te bénis ce soir. Je te bénis, Seigneur. Oh Dieu, pour ta parole. Je prie que tu me pardonnes pour toutes. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur, pour toutes les fois, oh Dieu, où j'ai rapidement abandonné des amis, des personnes qui tenaient à moi. Oh Seigneur, je prie que tu te saisisses de moi. En ce soir, Seigneur, et je prie, Seigneur, que le modèle du frère Zach devienne le mien, Seigneur, afin que je me saisisse de cela, qui le permettait, Seigneur, de poursuivre des amis. Oh Dieu, Seigneur, 5 ans, 10 ans, oh Dieu, même 30 ans après, je te supplie, Seigneur, fais-le pour moi et fais-le pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Pour ce que j'ai appris de ce soir de la vie du frère Zach, Seigneur. Seigneur, je me posais la question de savoir d'où venait cette disposition de cœur vis-à-vis de ses parents. Et j'ai compris, Seigneur, qu'il voyait Dieu en ses parents. Pour lui, il traitait avec Dieu et non avec les hommes.
Les hommes étaient juste pour lui des instruments que Dieu utilisait pour le mettre à son service. Seigneur, je prie que tu me donnes la sagesse de discerner cela, Seigneur, dans toutes mes relations. Seigneur, viens à mon secours, aie pitié de moi, aide-moi, Seigneur, à ne pas ruiner mon avenir, à ne pas ruiner ma destinée. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à voir Dieu en les hommes, à voir Dieu en chacune de mes relations et à les servir comme te servant. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment, Seigneur, pour cette anecdote que je viens d'entendre. Père, je prie afin que dans ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, que tu m'accordes un cœur qui veut plaire à Dieu à tout prix. Un cœur qui plaît à Dieu, ô Seigneur. Un cœur qui recherche les désirs, les souhaits de Dieu pour lui plaire. Je t'en supplie, Seigneur, impartis cela dans le cœur de chacun d'entre nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à demain, s'il plaît au Seigneur. Tomorrow, if it pleases the Lord.